Well, well, well. I guess your plan didn't quite work out, did it? You stole the device. Then you figured out we would find out it was you. So you tried to have our whole family killed. Tell me, why did you kill that DEA agent a year ago? Come on, listen, Vittorio. We can make a deal. I can give you the man who killed all your men. Otherwise, he'll come here and he'll kill you too. Well, I'll make sure the hotel has a nice private room reserved for him. Oh, he will. Oh, he'll come here and he will wipe that fucking smile off your face. Wouldn't he instead enjoy wiping my ass for me? You'll see. You'll see. He'll kill you. I'll take my chances. My apologies, but I must go now. I have a business meeting upstairs to attend to. The Middle East is waiting to get their head's eye on D-Bane. Do you want me to leave the door open? In case you want to take a walk? Mark, sorry about your partner being a dickhead. The Godfather, Vittorio Ciccionello. I need to know where he is. Where did he take Jacob? Whoa. Sure you want to be messing with him? Tell me where to find him. All right. But you have to pay me this time. I'll make a few phone calls and let you know. There's something else. I need explosives. Seriously? You've lost your mind? You are a seriously fucking crazy motherfucker. Well, I got a suitcase you might like. C4 explosive hidden inside the suitcase and a wide-range detonator. I'll take it. Mark, it's Billy. I sent you some details, and here's what I got. Your dickhead partner Jacob has been taken hostage, and Vittorio got the D-Pain device back from Jacob. Now the Ciccinellos are planning on expanding the D-Pain markets worldwide. They are about to meet a Middle East sheik at Vindict Hotel. The hotel is owned by the Ciccinellos. According to my source, their whole immediate family is expected to be at the very same hotel tonight. The hotel is highly guarded, but it's also available for public. I guess you want the Ciccinellos dead, so I booked a room for you. Stay safe, Mark. Mark, c'est Billy. Je vous ai envoyé les détails, mais voici ce que j'ai trouvé. Votre crétin de partenaire Jacob a été pris en otage et Vittorio, lui, a repris le dispositif D-Pain. Maintenant, les Ciccinellos envisagent d'élargir le marché de la D-Pain à l'international. Ils sont sur le point de rencontrer un chèque du Moyen-Orient à l'hôtel Vindict. Tiens, un chèque, ça aussi, c'est un petit peu emprunté, Hitman. Cet hôtel appartient aux Ciccinellos. Selon ma source, toute leur famille proche devrait s'y trouver ce soir. On va faire le grand ménage, on dirait. L'hôtel est très bien gardé, mais il reste ouvert au public. Je suppose que vous voulez voir les Ciccinellos morts, alors je vous ai réservé une chambre. Attention à toi, Marc. Le Vindict Hotel. Attention, on a beaucoup d'objectifs. D'habitude, on a déjà commencé par découvrir les lieux. Exception. Hello, sir. Welcome to Vindict Hotel. I have a reservation. The name is Diesel. Diesel. Here's your room keycard.
Our main elevators are currently broken, so you have to use the stairs. Have a pleasant. D'accord. Ascenseur cassé. Chambre 204. Ah. Première cible. Là, ça descend. Lui, il monte. Et une clé. Il va où là? Oh là là. Quoi? Elle me fait une petite invitation. Merci pour l'invitation et la carte surtout. Oh là là, elle est complètement pétée la vieille. Oh, voilà. Qu'est-ce qu'il a été faire là? Usine, ok. Oh là, oh là 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 là. Oh, elle va bien se fouler une patte. Merci pour la proposition indécente. Où est-ce qu'il est passé notre ami là avec sa clé? S'il est descendu. Hello, sir. You need a bath ticket if you wish to use our spa facility. Where's the dressing room? Sir, I'm sorry, but you need a bath ticket to get in. Ah, j'ai besoin d'un passe. Merde. Bon, j'ai perdu mon l'homme avec sa clé. Putain, t'es là. Je suis en train de se bécoter. Ici. Ah, il y a du rouge. Ah, ah, ah. Une clé. C'est lui. Ils se ressemblent tous là. D'accord. On cherche le thé là. Bien. Et du sous-sol. Il y a d'autres trucs sympas à prendre. On discute. Oh, attention. Juste regarder qu'est-ce qu'il y a ici. Vittorio says we're gonna get paid after he gets the deal done with that Middle East sheik. And that shouldn't take too long. Parle du deal avec le sheik. Hey Henry, turn on the TV. Je sais pas loin d'être là. Très mal au pied lui. Seul. Plus de soucis, hein. Tous armés, hein.
help from citizens to stop the spread of this deadly narcotic. If you have any information that could be related. Ah. Mark. Oh, thank God. Help me out. Mark, don't just stand there. Help me out. Why did you kill him? Oh, God, you just don't get it, Mark. We could have made billions with the D-Pain device. You, me, your father, but no! Your father wanted to destroy the whole D-Pain, just like you! Your father was an unreliable rat. He deserved to die. He was gonna report me, and I had to lie to you to get you on board. You're even worse than your father! Tell me, how many innocent lives have you taken while trying to justify one? You said, in the end, I will have my reward. What? In your hideout, you said, in the end, I will have my reward. Looks like you were right. Fuck you! Just kill me, you piece of shit! What are you waiting for? Kill me already, you piece of shit! Kill me already, you piece of shit! What are you waiting for? Ça fait pas partie des objectifs, hein? Qu'il disait Jacob. Kill me already, you piece of shit! Kill me already, you piece of shit! Je vais le laisser creuser ici. Quoique. Kill me already, you piece of shit! Tu l'as bien cherché. Non. À repartir avec mon costume de... concierge. Ici, il n'y a plus rien. Ici. Là, j'ai quelqu'un. Je vais faire le tour. Je peux y aller, là, ou pas? What's up, man? Ok. Hey. Yeah, you. You talking to me? C'est ce que j'allais dire, c'est à moi que tu parles, là? Mort de rire. I think you're talking to me. Excellent. You better not be talking to me. You are talking to me, aren't you? Qu'est-ce qu'on a là? Document papier et code d'accès. Code d'accès 319. Ça c'est quoi? Carte d'accès du personnel. Oh. Talking to me. Il me reste encore un mec là. Je peux aller voir. What's up, man? Good evening. Tu peux? Parce que j'ai pas pris mon pass. Eh ben, trop jolie fille rien pour lui, c'est ça. Appareil pour indiquer la température de l'eau. Oh, il y a peut-être moyen d'augmenter ou baisser la température. Qu'est-ce qu'on dit? 319, on va essayer. Bingo. Ouvre-toi, bordel. Ah putain. Voilà. Augmenter la température de l'eau. Oh, il y en a qui ont un chaud derrière.
Et un en moins un. Je crois qu'il y en a plusieurs, hein, des Titanellos à buter. En tout cas celui-là, on l'a eu. On va grimper d'un étage. Là, il n'y a personne. C'est l'étage combien? C'est le premier. Moi, j'avais une chambre. Oh, oh, oh. 204. Home sweet home. Ticket des bains. Ah, bah voilà, c'est le qui me... Il me manquait tout à l'heure. Du monde ici. Non. Tu viens de grimper. Ah. C'est pas vrai ça. Ah, j'ai pas le droit d'y aller. Qui c'est qui est là-haut? Partir. Je peux y aller là ou pas? Ouais. Concierge d'hôtel, c'est un bon déguisement. Je suppose que je vais pas pouvoir y aller là. Ok, ok, ok. On se détend, messieurs. Merde, je peux pas y aller. Et ici. Merde. Ça marche pas. 308. Ah, c'est la chambre de la demoiselle qui m'a invité à picoler. Ok. Je peux me le faire quand même. Bingo. Ah, par contre, il y a une échelle au-dessus. Putain, j'avais pas fait gaffe. Fumais-tu? Est-ce que je peux cacher le corps ici? Ah, le chèque. L'un des meilleurs déguisements sur la map de Paris. Allez, c'est emballé. Désolé, monsieur. Qu'est-ce qu'on a de beau, là? Passe lounge VIP, ok. Est-ce qu'il y a un truc à choper? On va éviter de sortir par là, hein. Bon, on a déjà chopé le pass. C'est tout à fait bon, on va continuer à grimper. Je peux pas. Non plus. Ok, il y a du monde ici. Fermé, pourtant j'ai une clé.
rendre les armes. Here's my suitcase. Thank you, sir. Oh, what a great looking suitcase you have. I guarantee it'll be safe in our back room. Ok, il m'a tout pris. Everything good? Ils font peur avec leurs armes. Ah oui, putain. J'ai eu peur, j'ai dit mais... j'ai plus d'armes. Pourquoi ça sonne? Everything good? C'est du concert. Employees only. Get lost. Quoi? Ah d'accord, je suis pas le bon... j'ai pas le bon costume. Pas une cible, on va pas te tuer. Qu'est-ce qu'on a? Saboter la ventilation de la cuisine. Bloqué, bordel. Ah. Désolé. Il a un joli costume. Ça doit le faire maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je suis content de pouvoir arriver là, mais ça me... ah, quoique. Non. La cible elle passe par là. Qui c'est qui est là? Oh putain. Merde. Oh putain. Il a failli me gauler hein. Ah et puis j'ai plus d'armes. Piquer son costume par contre, merde. Le pistolet. Ça va être pour notre ami quand il va revenir. Pas le code. Ça va pas être celui-là. Hein. Merde. Ah, qu'est-ce que j'ai? Code de sécurité 972. Appareil du ping impeccable. Tuer les Tichonellos. Il est en train de rencontrer ses petits copains. D'autres choses à choper ici.
Très bon ce costume. Oh là 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 là. Il y a du monde, hein. Je peux passer là ou pas? Je peux. Je peux me le faire. Là, il est tout seul. Ma mallette. Salle protégée par des vitres pare-balles. Super. Tu peux rentrer ? Messieurs, je ne vous dérange pas plus longtemps. Waouh. Oh là 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 là. C'est violent. Quand il m'en reste un. Alors ce que j'aurais peut-être pu faire, c'est éliminer le petit dernier en même temps. On va se dépêcher de retourner là où j'étais. Il est où notre homme? Il arrive. Va rester caché. Il y en a un qui a tourné la tête, il m'a fait peur. Le cadavre. Est-ce que je peux le mettre? Tous les placards sont pleins, ça se trouve. Merde. Il n'y a plus de place. Est-ce qu'il est là notre... J'espère qu'il y a de la place dans la salle de bain, mais sinon c'est pas grave. Hein. On rangera pas le corps. Ouais, bon bah tant pis. Il y avait déjà son collègue que j'ai... Ah, j'aurais pu le mettre là-bas, c'est pas grave. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à... C'était les lieux. Par contre... Je peux... C'est le détecteur de métaux, là. Dans ce sens-là, ça a l'air d'aller. Je suis pas trop le fier, hein, son sœur. Oh, c'est pas grave, on va descendre. Trois.
2 1 B1 voilà. Peut-être grimper derrière quoi. Je pense que c'est là. Par ici. Yes. Bien tout fait hein. J'ai même éliminé mon ancien ami Jacob. Tu es en série. Breakthrough in the D-Pain case. Police announced that they have found the leaders of the Chicchianello's crime family dead 2 hours ago in the Vindict Hotel. All evidence points to the Chicchianellos being the ones behind D-Pain all along. Police say they have no clue who killed these mobsters and no eyewitnesses to the case. According to the DEA, D-Pain was produced with one very high-tech device. That device is nowhere to be found. The DEA believes this device to be worth at least millions of dollars. Is this the end of D-Pain, or will D-Pain continue to spread? The answer is, we just don't know yet. David Hoffman, BTT News. Et voilà la fin de notre aventure. Et ben, moi je trouve que pour un petit jeu d'un petit peu plus de 10€, c'est assez sympa. Alors c'est sûr, c'est pas du même niveau qu'un Hitman, hein, ils bossent pas dans la même catégorie, mais au moins il nous propose un jeu d'infiltration assez sympa. Alors bien sûr très largement inspiré par son cousin, mais moi je trouve ça sympa. J'aimerais bien qu'il y ait plus de jeux de ce type qui mêlent infiltration, parce qu'aujourd'hui il y en a pas tant que ça. En plus Splinter Cell ne nous a pas offert de nouvelles versions dernièrement, donc bah, c'est avec beaucoup de plaisir moi que j'ai découvert ce Slater, et pourtant il est sorti il y a un petit bout de temps. Et Steam, malgré le fait que je joue à beaucoup de jeux d'infiltration, ne l'avait jamais proposé. Donc voilà, plutôt sympa.